Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour une nouvelle guidance sur les flammes jumelles. Comme vous le savez, ma chaîne est dédiée aux flammes jumelles. Alors, si tu es là, c'est pas un hasard, c'est que ton ange gardien, tes guides, t'ont guidé jusqu'à moi et que tu dois entendre les messages et certainement que ça doit te concerner, d'accord? Alors, c'est peut-être la première vidéo que tu vois de moi, donc sois le bienvenu ou la bienvenue sur ma chaîne. C'est ma deuxième chaîne, ma première chaîne c'est Angèle Lumière Divine. Celle-ci, c'est Angèle Lumière Divine des Étoiles. Donc, sois le bien ou la bienvenue. Installe-toi confortablement sur ton canapé, sur ton transat, sur ta serviette de plage. C'est ton petit moment à toi, notre petit moment à nous. C'est peut-être le moment où tu vas t'endormir, tu es dans ton lit. Tu viens ici pour t'apaiser, pour entendre des messages qui correspondent à ton lien de flamme jumelle qui est si particulier. Donc, voilà, détends-toi, on va voir un petit peu ce que l'univers veut te dire à travers moi, à travers cette vidéo. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Mais ce qui est important avant de commencer, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. C'est gratuit, c'est juste pour valider le fait que je me connecte à ton énergie, à ton lien de flamme jumelle, à ton âme et à son âme. Voilà, donc c'est très très important si tu ne l'as pas fait ou que tu n'as pas vérifié que tu es abonné à cette chaîne, eh ben, je te conseille de le faire parce que sinon, ça voudrait dire que ces messages te concernent pas. D'accord? Parce que je me focalise et je me connecte à mes petites étoiles qui sont abonnées à la chaîne uniquement. Donc je le rappelle, c'est en priorité pour les personnes qui sont abonnées. Si tu ne l'es pas, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer en dessous de la vidéo et à cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour rien louper. Et puis voilà. Bon, on va commencer par purifier les énergies avec mon bol tibétain. C'est parti. Voilà. Bon, alors, quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance sur les flammes jumelles? On va voir tout de suite quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne. Allez, c'est parti. Je rappelle que je mets toutes les coordonnées des outils que j'utilise, hein, les oracles, les tarots, sous la vidéo en barre d'information. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si il y a un tarot, s'il y a un oracle qui vous attire. Ce ne sont pas les miens, donc c'est vraiment des auteurs qui les vendent sur d'autres plateformes, d'autres magasins. Donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, j'ai deux cartes qui sont venues. Je vais les prendre, je ne sais pas du tout. C'est la première fois, je crois, j'en suis pas certaine, mais je crois que c'est la première fois qu'il y a deux cartes qui arrivent en début de guidance avec les anges. Excusez-moi, je prends une gorgée de mon eau à la lavande, là, mon sirop à la lavande. Alors, on m'a demandé où on pouvait le trouver en magasin bio. J'ai plus la marque, c'est une bouteille en verre marron, un peu à l'ancienne, comme les anciens contenants des pharmaciens, vous savez, qu'un bouchon en bois. Donc, voilà, vous allez en magasin bio et il y a différents goûts. Et celui-ci, c'est à la lavande. La lavande, c'est bon pour la purification, la protection et l'intuition. Donc, c'est pour ça que j'ai pris lavande. Alors, c'est juste incroyable. Waouh, waouh, waouh. Aujourd'hui, ça va être très, très, très puissant cette guidance et je le ressens parce que j'ai pris ma douche juste avant de commencer cette vidéo pour me rafraîchir et pour me purifier. Et j'ai canalisé, vous le savez, sous la douche, je canalise beaucoup. Et j'ai canalisé, en fait, c'est juste incroyable, juste avant la vidéo, que Jésus et Marie-Madeleine étaient des flammes jumelles. Vous croyez ou pas, mais je vous assure que c'est vrai. Et là, qu'est-ce qui sort? J'ai Marie-Madeleine. Marie, la mère des hommes. Alors non, c'est pas Marie-Madeleine, c'est Marie. Voilà, oh là, je suis pas bien aujourd'hui.
C'est Marie, donc c'est notre mère, la mère à nous universelle, mais je trouve qu'elle a un air de Marie-Madeleine. Alors voilà, j'ai pensé à Marie-Madeleine, c'est Marie, Sainte Marie, Maman Marie, mais vraiment, je trouve, vous me direz en commentaire, vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à Marie-Madeleine sur cette illustration? Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Alors, j'ai canalisé ça avant la vidéo. Marie est ici, donc on a le féminin sacré, et on a l'archange Michaël. Donc on a une brune, on a un blond là en illustration. L'archange Michaël, l'archange Michel, vous l'appelez comme vous voulez, hein, les deux sont possibles. Ça parle de protection sur le lien. On a le masculin et le féminin. Donc là, c'est très très fort. On parle avec Marie de pureté du cœur, de foi, de conception. D'accord? Et puis avec l'archange Michel, l'archange Michaël, c'est la clarté, la vérité et la protection. On a le féminin et on a le masculin. Voilà, alors vous avez vu, vous savez, je suis médium, je canalise beaucoup. Alors les cartes est un support, mais j'ai des messages en canalisation. Le message que j'ai eu avant de commencer la vidéo, c'était que Jésus et Marie-Madeleine étaient flammes jumelles. Donc, c'est pas un hasard si j'ai Marie qui est là. Marie ou Marie-Madeleine, hein, vous pouvez mettre. Moi, je ressens l'énergie du féminin sacré. Donc, j'ai pensé à Marie-Madeleine parce que j'avais canalisé juste avant. Les cartes, encore une fois, c'est un support. Donc, voilà, vous le prenez vraiment comme un message divin. Et on a l'archange Michel, l'archange Michael. Donc, on a l'énergie masculine qui est là, divin et sacré. Donc, il y a vraiment. Et on est dans le bleu. J'ai mis une robe bleue. En ce moment, j'ai envie de porter du bleu. Allez savoir pourquoi. C'est comme ça, je suis attirée par le bleu. Donc, la guidance va être très très puissante. Surtout que j'ai un témoignage à vous apporter. Vous savez, ici, on est là pour. Mince, on est là pour s'aider, on est là pour s'épauler, on est là vraiment pour s'entourer de lumière et pour faire bouger les liens de flammes jumelles. Comme vous le savez, je suis en parcours depuis 1 an et demi. Sans le vouloir, on le veut jamais. Hein. Quand ça nous arrive, ça nous tombe dessus. C'est comme ça, c'est pas prévu. Et c'est qu'on doit vivre ça. Bon. Donc, hier soir, je vais vous témoigner de quelque chose parce qu'on est là aussi pour échanger, partager. Donc, n'hésitez pas à témoigner sous cette vidéo, à dire ce que vous ressentez, ce que vous vivez aussi en ce moment. Et je suis en train de voir que j'ai oublié de ma boule de cristal. Tout va bien, Angel. Je suis pas perturbée du tout. Bon, bah c'est qu'elle devait pas être là, la boule de cristal. C'est comme ça. Je vais pas aller la chercher. Je vais pas mettre de boule de cristal aujourd'hui. On va se focaliser sur autre chose. C'est que ça devait être comme ça. C'est vrai que c'est pas pratique parce que j'ai deux décors différents, j'ai deux chaînes différentes. Donc la boule de cristal, je la balade d'un côté et de l'autre. Il faudrait que j'en aie une deuxième. Bon, pour le moment, c'est pas le moment. Donc je l'achèterai plus tard. C'est sûr que si je peux en trouver une. Et l'univers me la mettra sur mon chemin. En tous les cas, cette boule de cristal, j'en mettrai une. Pour l'instant, j'en ai qu'une et c'est vrai que je peux oublier de la transverser d'une chaîne à une autre. Donc là, je suis là pour vous témoigner de quelque chose. L'univers est trop fort. L'univers est trop fort, pourquoi? Déjà, je prends une gorgée de mon breuvage à la lavande. Hier, j'étais dans mon lit. Je me sentais un peu seule, bon, comme tous les soirs, hein, quand on est célibataire, vous savez ce que c'est. C'est toujours à ce moment-là, au moment de dormir, où on se sent un peu seule. Voilà. Et je pense fortement à ma flamme jumelle en me disant, j'espère qu'elle va bien, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle pense à moi, est-ce que réellement, est-ce que je me trompe pas? Parce que dans ce lien, on a toujours besoin d'être rassuré. En tous les cas, moi, pour ma part, hein, je témoigne pour moi. On a toujours un doute et je sais que j'ai beaucoup de consultations privées avec vous, mes flammes jumelles. Aujourd'hui, j'en ai eu deux, l'une après l'autre, qui étaient flammes jumelles. Et c'est juste troublant parce que je peux vraiment voir la similitude dans les parcours. On est vraiment connectés. Bon, donc je vous explique. Hier soir, j'étais un peu pensive, j'étais un petit peu. Dans le questionnement à savoir si réellement j'étais vraiment dans ce lien-là, que je me trompe pas, parce que bien sûr mon cœur me le dit, mais on a toujours ce part de mental, on a toujours cette part de nous qui se dit, mais
Et si tu te trompais, et si tu étais dans l'illusion totale et que tu penses que tu es dans un lien de flammes jumelles qui n'est pas forcément un lien de flammes jumelles. Donc j'ai demandé à l'univers, j'étais dans mon lit, il n'y avait rien à la télé, j'avais éteint la télé. J'étais dans mon lit et je demande à l'univers, je dis voilà, j'ai besoin d'un signe vraiment pour savoir si je suis pas dans l'illusion, si je me trompe pas de parcours, si vraiment je suis là et que je suis pour accompagner les flammes jumelles et que je suis en train de vivre ça. Mais dites-moi, Seigneur, dites-moi l'univers, j'ai besoin d'un signe de mon jumeau. Et là, je lâche prise. Bon, je lâche prise. Ça viendra quand ça viendra. Peut-être demain, après-demain, j'aurai un signe, j'aurai quelque chose qui vraiment me montrera que je ne me trompe pas. Donc, je prends un bouquin. J'avais un bouquin que j'ai acheté sous le conseil d'une petite étoile. Alors, je ne vous donnerai pas le titre pour le moment parce que voilà, je vous explique pourquoi. Donc, je prends le bouquin que ma petite étoile m'a conseillé, qui parle et qui est en rapport avec les flammes jumelles sur les âmes. Elle m'avait dit, bah écoute, lis ce livre parce que peut-être que ça va te parler, parce que c'est sur les âmes qui se retrouvent, etc. Lis-le, à mon avis, ça t'aidera et ça va t'aiguiller et tu vas, voilà, ça va t'aider. Bon, je commande ce livre, je le reçois et là, je l'avais dans mon lit et je dis, tiens, je vais me divertir pour pas penser à ma flamme jumelle, enfin, pour pas penser, pour lâcher prise, pour, voilà, me changer les idées, je vais lire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Tiens, je vais prendre le temps plutôt que de regarder la télé ou de faire autre chose. Je prends ce livre et là, vous le croyez ou pas, je témoigne de ça parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ouvre donc le livre, première page. Donc, vous voyez la couverture du livre. Il y a toujours deux trois pages blanches, des petits, voilà. Et là, juste avant que le livre commence, avant la préface, avant. Il y a juste trois mots, trois, quatre mots, je n'ai pas compté, sur une page blanche, première page du livre en fait. Hein. Et là, qu'est-ce que je vois? Pour, tac, 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 pour le prénom de ma flamme jumelle. Alors, ma flamme jumelle n'a pas un prénom commun. C'est un prénom qu'on n'entend pas, en tous les cas, moi, avant de le connaître, et même aujourd'hui, c'est pas un prénom qu'on entend tous les jours et qu'on voit tous les jours. Qu'est-ce que je vois pour un tel, le prénom de ma flamme jumelle? Et là, mais j'ai eu un grand sourire, j'ai rigolé toute seule dans mon lit, je dis, mais c'est pas possible, je regarde le ciel, je dis, mais je regarde le plafond, je dis, mais vous êtes trop fort, l'univers. Et j'ai compris que c'était le signe. Je ne savais pas, j'avais pas ouvert le livre avant, j'avais juste commandé, je l'avais gardé, j'avais lu derrière, j'avais pas ouvert le livre encore. Et là, paf, je tombe sur son prénom. En plein milieu de la page blanche, je ne pouvais pas le louper. Et voilà quoi, c'était juste incroyable. Donc j'ai remercié bien entendu ce signe, ce gros signe. Donc tout ça pour vous témoigner que. Et je ne m'attendais pas à avoir le signe aussi vite. Hein. C'était juste avant d'ouvrir le livre que je dis ça. Hein. Je me suis dit, bon, ça arrivera, mais quand? Je ne sais pas. Et là, j'ouvre le livre. Paf, je tombe sur son prénom. Deux mots pour. Il y avait deux, trois prénoms. Il y avait d'autres prénoms. Il y a, je crois, deux ou trois prénoms. Mais il y a celui de ma flamme jumelle. Et là, je me dis, mais waouh, c'est juste incroyable. Là, je ne peux pas douter. Je ne peux plus douter. Je n'ai pas le droit de douter. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que vous pouvez vous amuser à demander à l'univers de vous faire des signes. Et vraiment, si vous avez un doute, vous n'en aurez plus. Parce que ça, on peut pas. Je ne peux pas passer outre. Je ne peux pas me dire non, c'est du hasard. Non, c'est. Voilà, c'était juste avant, quoi. Donc j'ai trouvé ça amusant, vraiment très amusant et je remercie vraiment l'univers. Voilà. Bon, assez blablaté, je vais. Mais c'est pas du blabla, hein, c'est un témoignage et je trouve ça intéressant de pouvoir voilà, partager ça avec vous pour vous aider aussi à demander des signes à l'univers, pour aussi garder la foi, lâcher prise, parce qu'en fait, au moment où j'ai ouvert ce bouquin, je lâchais prise totale. Et juste avant, j'ai demandé, mais je ne pensais pas qu'en ouvrant ce livre, la première page du livre, il y avait son prénom. Ça aurait pu être, je ne sais pas moi, en plein milieu du livre, au milieu de l'histoire, dans un grand texte. Non, là, c'était une page blanche, trois mots, paf, je ne pouvais pas le rater. Donc voilà. Allez, on va prendre l'oracle du chemin intérieur pour vous passer un message, pour voir un peu les énergies de ce week-end, des prochains jours pour les flammes jumelles.
Alors, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail hein, à angel.lumière.divine@gmail.com. Là, à présent, on est plutôt fin août au niveau du délai. Faut savoir que du moment où vous me contactez jusqu'au moment de la guidance, en général, il faut compter un mois de délai d'attente. D'accord ? Donc voilà. Alors, il y a une carte là qui est tombée. On va voir. On a le masculin. Non, mais juste incroyable. Regardez. Le masculin qui a les cheveux longs. Qui ressemble un peu à Jésus aussi. Hein. Incroyable. Hein. Il y a une connexion. Hein. On voit le masculin là qui veut se manifester, qui veut venir vers vous, que vous attirez réellement vers vous. Quelqu'un là qui pense à vous. Alors, on a le cheval. Ça me fait penser au Sagittaire. Peut-être ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire ou quelqu'un qui fait de l'équitation, quelqu'un qui est entouré de chevaux. J'ai envie. Excusez-moi, mes souhaits, mes amours. J'ai éternué, ça arrive. On voit ce masculin là qui est sorti, qui pense à vous, qui a envie de vous rejoindre, qui a envie de courir vers vous, comme ce cheval. Il y a vraiment une grande connexion entre vous. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on vous dit d'autre avec cet oracle. Allez. S'il vous plaît. Je vais baisser le téléphone, ce sera mieux, vous verrez mieux la table. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Tout. Les êtres de lumière, les anges, ça parle. Alors, là, on a le masculin qui pense à vous, qui est connecté à vous. Vous vous posez une question. Posez une question, là, vous avez une réponse. Allez-y. Mettez sur pause, vous pouvez le mettre dans votre conscience, vous pouvez le dire à voix haute, à voix basse, peu importe. Posez-vous la question, posez la question que vous voulez savoir. Alors là, on a non. Alors peut-être que comme avant, on a eu le masculin qui dit non, c'est comme si on a ce masculin qui résiste aussi, qui ferme cette porte, qui est derrière la porte, qui tient la porte. On voit peut-être aussi une féminine, parce que regardez là, le bras est féminin, il y a un bracelet, on voit bien que c'est une féminine. Il y a les ongles longs, manicurés, enfin bref, on voit que c'est bien une énergie féminine. Donc peut-être que le féminin, là actuellement, dit non, ne veut pas, se retient, retient son masculin. En tous les cas, il y a un blocage, il y a une porte qui s'est fermée. Peut-être que le masculin pense que vous n'êtes pas d'accord, que vous allez lui dire non pour quand il va arriver. Je ressens ça. Je ressens que le masculin doute que la féminine puisse ouvrir la porte. Le masculin pense qu'il va recevoir un non, qu'il va arriver dans une porte fermée. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on veut vous dire. On va voir avec l'oracle des flammes jumelles de Isabelle Serre. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Là, il y a des cartes qui sont tombées. On va les prendre. Promesses karmiques bloquantes. Ce qui bloque actuellement, c'est qu'il y a une promesse karmique. Une promesse dans une autre vie qui bloque. Je vois la nuit noire de l'âme pour certains, certaines actuellement. Vous êtes en train de traverser la nuit noire de l'âme ou votre autre est en train de traverser la nuit noire de l'âme. Votre flamme n'est pas bien. Je dirais que ce blocage vous fait traverser une période compliquée, difficile, mais on voit aussi que ça vous fait travailler intérieurement. Donc, vous êtes en train de passer, votre âme est en train de passer la nuit noire de l'âme pour certains, certaines, où vous l'avez déjà traversée, et ce lien
est fait aussi pour vous faire travailler et vous faire passer par les pires des pires moments, pour vous secouer, vous vraiment vous faire prendre conscience de plein de choses et vous faire travailler intérieurement. On voit qu'il y a eu des promesses, il y a eu des choses dans le passé, mais dans les vies antérieures, qui bloquent votre lien. Je ressens que votre autre, votre flamme, est quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui a tenu des promesses vis-à-vis de quelqu'un d'autre, peut-être vis-à-vis d'une vie antérieure, je ne sais pas. Du coup, ça bloque. Bon, alors, on va voir avec le tarot des flammes Juju. Allez, s'il vous plaît, tout, bing, tout tombe. Regardez, ça bouscule tellement en ce moment, le lien, hein, et tout est en train de tomber. Le féminin et le masculin sacré sont tombés. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va tomber de la source. Regardez, la source est là, vous accompagne dans ce lien. Ça coule de source, il y a une canalisation, vous êtes éclairé par la source veille sur vous. Il y a une notion de décentrage. Il y a une notion de sortir de son centre, sortir de sa zone de confort. On parle de la cinquième dimension. Vous vous rejoignez, les deux flammes, regardez, dans la 5D. Surtout pendant les rêves. De ma part, en tous les cas, j'ai rêvé plusieurs fois de ma flamme. On est souvent ensemble dans les rêves, je m'en souviens. On parle beaucoup, on communique, on échange. Et je dirais qu'aujourd'hui, oui, vous communiquez dans la 5D. Oui, vous êtes relié à la source. Et oui, la source vous permet de communiquer en 5D. Et on voit que là, il va agir ou elle va agir. Il y a quelqu'un qui a décidé d'agir. Il y a l'éclair, il y a un déclic, il y a la foudre karmique. Il y a la foudre divine qui est en train de faire sortir votre flamme de son centre, de sa zone de confort. C'est très très fort, c'est très puissant en ce moment. Alors, on va regarder avec le grand oracle des flammes jumelles ce que l'on veut vous dire. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Séparation et manque. Donc, vous voyez la porte. Elle est là, entre vous. Il y a bien une séparation, Vous ne vous voyez pas, mais vous vous ressentez. Vous êtes très proche, vous n'êtes pas loin. Vous êtes connectés. Il y a un manque. Alors peut-être que vous passez une phase compliquée financière ou peut-être votre autre aussi. Financièrement, c'est un peu difficile. Mais ce que je vois surtout, c'est que vous vous manquez l'un à l'autre suite à la séparation. Votre autre, vous-même, commencez, et depuis peut-être longtemps de votre part, mais plutôt lui, vous ressentez un manque. Vous ressentez vraiment comme un manque de votre une partie de vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, on voit qu'il y a silence radio. Vous êtes dans le silence radio totalement. Mais vous êtes connecté par les ondes, par les vibrations. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. J'entends, c'est une question de fréquence. C'est une question de vibration. Vous êtes en silence radio. Oui, mais vous vous ressentez. Vous savez qu'il est là, il sait que vous êtes là. Vous n'êtes pas loin, vous le surveillez, vous le guettez, vous l'espionnez, et lui aussi. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Tac. On voit que votre autre ou vous-même avez un côté rebelle. On voit que vous sortez les flèches. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait l'énergie du Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire. Là, on voit que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous avez possibilité de faire beaucoup de choses. On voit
que votre côté rebelle va surgir. Il y a quelqu'un qui va se rebeller par rapport à ça. On voit que vous allez avoir de la joie. Votre autre a de la joie, peut-être de vous savoir un peu en mode guerrier ou guerrière pour le conquérir. Il y a une sensation de vouloir le conquérir ou la conquérir. On va regarder. Alors, ça le met en joie de vous savoir en mode guerrière ou guerrier. Ça le réconforte de voir que vous ne lâchez pas l'affaire et que vous êtes toujours présente, même si vous ne vous voyez pas, vous ne vous parlez pas. Alors, s'il vous plaît, tout. Ah, décidément. Marie, Marie-Madeleine. Les maris, en tous les cas, sont là. On parle d'une surprise, d'un cadeau. Un cadeau de la source, de l'univers. Peut-être que c'est votre anniversaire bientôt. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau. En tous les cas, on parle de cadeau. Votre autre aimerait vous couvrir de cadeaux. Vous faire un cadeau. Allez, s'il vous plaît. Tout. Alors, on voit quoi? On voit l'ego. On voit que son ego ne veut pas vous voir. Il y a vraiment une notion d'ego, là, dans la séparation, dans le silence. Pourtant, il y a un amour inconditionnel, on vous confirme. Il y a bien les foudres karmiques qui vont tomber. Il va y avoir une rupture. Il y a une rupture actuellement entre vous. Ça le perturbe. Ça la perturbe énormément, votre flamme. Et Génésie qui est derrière la porte et qui gratte la porte. Et tout à l'heure, on voyait la porte, vous savez, là. Regardez. Attends, elle est où? Bah là, c'est un peu ça. Nessie, elle est derrière la porte. Elle m'entend. Elle sait que je suis en train de faire une guidance. Elle veut être là. Elle gratte la porte. Elle gratte la porte. Et bien, je lui ouvrirai pas. Elle est qu'à être là avant. Bah, votre autre, c'est un peu pareil avec vous. Il y a une notion d'être derrière la porte et de supplier, de vraiment de lui ouvrir. Il y a quelque chose comme ça et il y a quelqu'un qui résiste. Bon, par ego. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres. Il y a une trahison. Votre jumeau ou votre jumelle est en pleine trahison. Elle vit une trahison. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Bon, bah regardez. Les anges sont avec vous. Vos anges gardiens mutuels sont là. Le tien, le sien, ils sont là. Ils sont en train de se concerter pour pouvoir vous réunir. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Bon, alors, les anges sont en train de se concerter et ils disent entre eux, bon, pour que qu'ils puissent se réunir, se retrouver, on va envoyer une impulsion de créativité, d'idées aux flammes. C'est-à-dire que chacun de votre côté, il y en a un des deux qui va avoir une pulsion de créativité, une idée splendide, divine, pour pouvoir revenir vers vous. C'est quelqu'un qui est plutôt artiste, qui est plutôt créatif, qui va trouver une solution artistique pour vous recontacter. Alors, peut-être dans la musique, le dessin, la peinture, vous proposer quelque chose d'innovant. Il va innover dans la façon de revenir parce que je sens qu'il est déjà parti. Mais là, il a déjà écoulé toutes ses possibilités, toutes ses façons de revenir. Et là, il va faire preuve de créativité. Allez. Pour vous retrouver, il y a bien des retrouvailles qui arrivent. Bon. Écoutez, là, c'est plutôt positif. Alors, je sais bien, je ressens bien qu'il y a silence radio. Vous êtes vraiment très, très bas. Mais on vous dit que ça va aller. Il va trouver le moyen. Il va faire preuve d'ingéniosité. Peut-être un ingénieur.
et de créativité. En tous les cas, ça peut être aussi un artiste, quelqu'un qui va avoir de la créativité pour revenir. Allez, on va voir le message de votre flamme jumelle pour cette guidance. S'il vous plaît, tous les êtres. Paf, c'est tombé. Ouf, il y en a une troisième qui est tombée. Attendez. Faut que j'aille le chercher, c'est pas possible. Oh, j'aime pas quand ils me font ça, les guides, qu'il faut que j'aille chercher. Là là. Voilà. Alors, on dit jamais 203, bon, il y a trois cartes. Alors, repose-toi sur moi, les énergies christiques. Il y a bien les énergies christiques qui sont là. On vous parle, donc c'est la carte 31. Notre appartenance est intemporelle, le lien. Donc, Jésus, les énergies christiques, c'est lui, c'est vraiment. Vous êtes reliés, vous êtes attachés l'un à l'autre par un lien invisible, mais je dirais que c'est un lien que l'on ne peut pas couper, qu'on ne peut pas arrêter. Et là, on vous dit l'épuration, un cœur libre et pacité et pacifié. Donc, il y a une libération du cœur, du chakra du cœur. Il y a une épuration, un nettoyage du cœur qui va le libérer pour venir vers vous pour une retrouvaille. Alors, je vais voir avec le petit bouquin les messages de votre flamme. Alors, premier message. Quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible, Jésus-Christ. Quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible, Jésus-Christ. C'est un message de Jésus, en fait, qu'on vous a donné là. Repose-toi sur moi. Jésus te dit, repose-toi sur moi, aie confiance en moi, garde la foi parce que je suis là pour votre lien et je vous aide à vous retrouver. Alors, carte 9. Carte 9, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le lien? Qu'est-ce que ta flamme jumelle veut te dire aujourd'hui? Je sais ce que tu traverses, aime-moi comme tu sais le faire. Aucune forteresse ne m'empêchera de venir vers toi. J'entends tes mots, notre amour n'a pas de limite. Ressens-moi à l'intérieur de toi. C'est magnifique. Et le dernier message, qui est l'épuration. Ne lâche rien, je suis dans tes bras. Livre tes mots les plus obscurs. L'éternité s'offre à nous. Le présent est à toi. Exulte ce qui vient des abîmes. Fais le ménage de printemps. L'hiver me montre que tu me manques. On vous parle de l'ambre. Si vous voulez porter de l'ambre pour débloquer votre lien. Et dans. Là, on ne m'a pas mis de pierre. Attendez, je vais regarder sur la carte 9 s'il y avait une pierre recommandée. Apporter pour vous. Non, il n'y en avait pas. Donc c'est bien l'ambre que vous devez porter si vous avez un bracelet en ambre ou un collier ou une pierre d'ambre. C'est le moment de la porter. D'accord? Voilà, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour terminer. Et puis ensuite, on va voir un petit peu qu'est-ce que ta flamme jumelle veut te dire malgré ce silence radio. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'elle veut te dire à travers moi? Tiens, bah, il y a des cartes qui sont venues en même temps d'un autre oracle. Le déclic. Donc, il y a bien un déclic. Choisissez vos amis avec sagesse. Peut-être que vous allez avoir un déclic aussi vous-même, dans le sens que vous allez comprendre que certains amis vous empêchent ou sont négatifs dans le lien, dans les énergies autour de vous. D'accord? Alors, on va voir un message de Marie.
Allez, s'il vous plaît, boum, la vérité. Marie te dit qu'il faut dire la vérité, être vrai, et tu vas apprendre une vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Soyons vrais, et ça nous apportera du vrai, ça nous apportera du bien. Vous savez, en étant toujours dans la vérité, on attire la vérité. Vous allez avoir une vérité qui arrive, vous allez apprendre une vérité. Peut-être aussi que ton autre, ta flamme, va apprendre une vérité qui va lui faire un déclic. Peut-être par rapport à des amis en commun ou des amis. Alors, un message de Jésus. En tout cas, on vous appelle vraiment à bien choisir vos amis et à faire attention à qui vous vous confiez surtout. Hein. Surtout dans ce lien. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, Jésus vous dit. Voilà, c'est important. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Voilà, on va voir les énergies avec le cadran de Beauville, hein, les énergies du chaser et du runner. On va regarder un petit peu ce qu'il en est actuellement pour ce week-end. Si j'y arrive, parce que tout... Alors, décidément, on va y arriver. C'est peut-être le moment aussi de porter du bleu. Hein. Enfin, par instinct, j'ai porté du bleu depuis plusieurs jours. Je porte du bleu. Regardez, même mon verre est bleu. Alors, on va remettre Marie comme il faut et l'archange Michel ou l'archange Michael. On va voir un petit peu les énergies. Alors, je vais essayer de vous mettre bien, que vous voyez bien le cadran. Voilà. Attention parce qu'il y a du monde au balcon. Allez, c'est parti. Il faut bien que je vous fasse un peu rire. Quelles sont les énergies du runner actuellement? Au moment où je tourne la vidéo, quelles sont les énergies du runner? Alors, on est vers 8000. Hein. Donc là, je dirais qu'il est remonté un petit peu. Ça va un peu mieux parce que je pense que vous, ça va mieux aussi. Alors, les énergies maintenant du chaser. Quelles sont les énergies actuellement pour ce week-end? Au moment où je fais la guidance, les énergies du chaser dans le lien des flammes jumelles, s'il vous plaît, mes guides. Bon, les flammes jumelles actuellement sont entre 16 000 et 17 000. Donc, on va dire 16 500. Donc, c'est très, très bien. Vous êtes bien, bien augmenté au niveau des énergies. Vous êtes bien spirituel. Vous êtes connecté, vous êtes bien. Au niveau énergétique, les chasers, c'est parfait. Et les runners, ils sont aux alentours de 8000. Donc, ils sont en train d'augmenter leur énergie. C'est en train de bouger. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout. Voilà. On va enlever le balcon parce qu'il y a du monde au balcon. Il faut bien que je vous fasse un peu rire. Je ne vous ai pas donné le signe de cette vidéo. Me dites de vous donner un signe. Ah! Quel est le signe? Il est devant mes yeux. Okay. On me dit, regarde Angel, il est là. C'est l'hélice blanc. Si vous voyez des lys blancs, là, dans les prochains jours, en illustration, en vrai, dans un bouquet, dans un film, dans un livre, un mot, une phrase, une chanson, en tout cas, le lys blanc est le signe de cette vidéo pour vous dire que c'est bien pour vous. Si vous voyez ça dans les prochains jours sans chercher, vous saurez que cette vidéo vous était destinée. Voilà, si ça t'a parlé, si ça a vibré, ça a résonné, si tu as eu des frissons, des larmes, de l'émotion, tu t'es dit « Waouh, Angèle me fait une guidance privée, c'est juste incroyable comment ça m'a parlé », je t'invite, si tu le veux, si ton cœur te le dit, si ton intuition, là, ton cœur te dit « Tiens, va voir sur Vimeo la communication avec ta flamme, avec ce silence radio, là ». On va ouvrir la radio, on va mettre la bonne onde de radio pour pouvoir communiquer avec ta flamme jumelle. Donc, le lien est sous cette vidéo. N'hésite pas à aller cliquer juste en dessous dans la barre d'informations et puis à suivre la bande-annonce déjà pour t'expliquer comment ça fonctionne. Et puis après, t'écoutes ton cœur. Voilà, il n'y a aucune obligation. La guidance est terminée. C'est juste un complément pour ceux et celles qui le voulaient, qui le sentaient, qui en ont envie, qui ont besoin de communiquer plus précisément directement avec leur flamme en silence radio, n'hésitez pas, vous avez le lien en dessous.
Voilà, sachant que vous me faites un don pour vivre en allant sur Vimeo, donc je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je rappelle que c'est ponctuel, c'est pas un abonnement, c'est-à-dire que vous, quand vous cliquez sur le lien, c'est juste ponctuel pour une fois seulement. Vous regarderez la vidéo qui vous concerne et que vous avez envie, que vous avez ressenti. Voilà, donc j'espère que ce témoignage, cette guidance vous a aidé. Je vous dis à très vite sur mes deux chaînes YouTube, sur TikTok, sur Instagram également. N'hésitez pas à aller voir, il y a des nouveaux contenus. Merci infiniment pour toute cette bienveillance que je reçois, toute cette énergie, tout ce soutien que vous m'envoyez chaque jour. Et merci à toutes les petites étoiles nombreuses qui rejoignent ma vidéo, qui rejoignent ma constellation, qui rejoignent mes chaînes. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous dis à très vite mes petites étoiles. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Et je vous dis à très vite. En tous les cas, quand vous regardez une vidéo comme celle-ci au niveau du lien de flamme jumelle avec mon magnétisme, je mets l'intention, puisque vous le savez, je suis magnétiseuse, donc mes vidéos sont deux en un. Ça va libérer les consciences des flammes jumelles, ça va débloquer les liens. Et ça, c'est très très bien. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à témoigner. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a apaisé, que ça vous a vraiment apporté de la belle énergie pour continuer à y croire. Et tout en lâchant prise, hein. Je ne vous dis pas d'être vraiment, vous vous focalisez pas tout le temps sur votre flamme. Je sais que c'est difficile à dire. Moi-même, hein, j'y travaille. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est un peu ça. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile, mais voilà, quand il arrive des signes comme j'ai eu hier soir, après on lâche prise, hein. Ça, on se dit bon ok d'accord l'univers, j'ai compris, rien ne sert de focaliser, ça va arriver au bon moment. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, merci encore pour tout ce que vous m'apportez, merci pour votre présence et je demande à l'univers de vous aider, de vous débloquer dans les parcours de flammes jumelles qui sont si compliqués et en même temps si magiques et extraordinaires. Je vous aime, je vous dis à très très vite mes petites étoiles, prenez soin de vous, pensez à vous et dorlotez-vous, hein. Faites-vous du bien avec des soins, mangez bien, marchez, faites du sport, entretenez-vous. C'est vraiment très important de prendre soin de son âme, de prendre soin de son corps dans ce parcours. Voilà, j'espère que je vous en fais prendre conscience parce que parfois on s'oublie. On se laisse aller et ça, c'est pas bon. C'est pas ça qu'il faut faire. Surtout dans un lien de flamme jumelle, c'est très très important d'avoir le déclic qu'il faut prendre soin de soi. Voilà, je vous aime.